Je m'appelle Louis Guilloul, je suis chanteur, guitariste. Je joue ma musique avec des très bons amis musiciens. Maël Desbroches, Bruno Duquet, Valentin Jam, là ce sera Romain Castera à la batterie, Paul Pariset, Nico Felices. Ça fait un an et demi qu'on joue ensemble. Je pense que j'ai commencé à chanter, à écrire des morceaux, c'était pour me sauver. Je pense que j'ai commencé à écrire vers 16, 17 ans. C'était pour me découvrir, pour me sauver, pour m'amuser. C'est un jeu fabuleux. Et puis c'est un moment donné aussi où tu te retrouves et où tu es aussi vaste que le monde extérieur. C'est là aussi que tu découvres ta passion pour la musique, ton plaisir de la jouer et que tu remets en question ce que tu fais, quoi. J'ai un mentor sans lequel je pense que j'aurais jamais eu envie vraiment de chanter. Je l'ai écouté pendant presque un an et demi, deux ans, j'ai écouté que lui. C'est pas une blague, j'écoutais que lui, j'étais ému, je pleurais. C'était Jeff Buckley. Quand je l'ai découvert, ça a changé toute ma vie. Ouais. Les gars avec qui je joue sont des amis musiciens qui ont accepté de m'accompagner. Pour ce qui est de la composition, de l'écriture, de la musique, je sais pas comment le formuler, j'en suis le principal responsable. Et donc du coup, sauf un morceau qui est un morceau de Bruno Ducret, le violoncelliste. Le reste, c'est des compositions, c'est ma musique. Je fais pas exclusivement de la musique, je fais des ateliers de sport dans les écoles. Et je suis au conservatoire à Nîmes, en musique actuelle. Et le but, c'est de passer des petits diplômes qui me permettront, avec le temps, de pouvoir enseigner. Je sais pas du tout si j'ai vraiment envie de... Si j'arrivais à vivre de ce projet-là, ce serait super chouette, mais je compte pas dessus pour avoir une sécurité. Moi, ce que j'aime, c'est l'opportunité de pouvoir jouer. Et le but, c'est d'être écouté et d'essayer de toucher un public, quoi. De faire vivre la musique que j'ai sur scène pour des gens.